11h ce matin, entre frustration, soulagement ou encore allégresse, chaque candidat savoure à sa manière la fin de l'épreuve de philosophie tant redoutée. J'ai la tête vidée, je suis embrouillée de partout et demain j'ai la prochaine épreuve d'histoire. Donc c'était dur mais c'est passé, j'aurais plus jamais philo de ma vie donc je suis super contente. C'est génial. Je sais pas en fait, j'étais à côté de la fenêtre, c'était chouette et voilà. J'ai tellement peur d'avoir raté la philo que je vais aller à la bibliothèque municipale réviser les croquis de géographie. Doit-on tout faire pour être heureux? Pourquoi chercher à se connaître soi-même? Le débat se poursuit à la sortie. Certains ont préféré l'analyse de texte, un exercice qu'ils jugent moins risqué. J'ai choisi le commentaire au texte de Descartes. Ça s'est plutôt bien placé. J'ai trouvé que le texte il était très explicite et pas trop facile pour qu'on puisse penser que c'était un piège, mais pas trop dur non plus pour qu'on puisse y arriver. J'ai pris le commentaire donc sur le déterminisme physique et tout ça et je pense que ça s'est plutôt bien passé mais je préfère pas me prononcer parce que ça reste voilà mais c'était celui qui permettait le plus de se carrer un peu. En 2013, 89% des Toulousains ont décroché leur diplôme. Feront-ils mieux cette année? Suspense jusqu'au 4 juillet.